Salut à tous et à toutes, bienvenue sur ce 89e live bassistique. Moi-même j'ai du mal à le croire, 89 déjà. Et vous êtes nombreux et nombreuses tous les dimanches à 19h, alors merci à vous en premier lieu. Et puis ce soir, un sujet consacré à une petite ligne de basse évolutive qui va nous permettre de discuter technique, interprétation, rythme, placement rythmique des notes et tout ça. Vous pouvez récupérer donc le petit PDF et le playback que vous avez entendu sur le générique sur bassistique.com, onglet bassistique live. Il y a encore des personnes qui me demandent comment on fait pour récupérer les documents. Eh bien, c'est toujours pareil, bassistique.com, bassistique live sur le petit onglet et vous téléchargez le document en fichier zippé. Vous le téléchargez, vous le décompressez sur l'ordinateur et vous avez accès donc à un PDF, à des fichiers Guitar Pro pour ceux qui utilisent le logiciel Guitar Pro, et puis le MP3 avec le playback pour bosser les lignes de basse qu'on va faire ce soir. Voilà, donc bienvenue à tous et à toutes. Salut le chat, salut les anciens, salut les nouveaux. Il y a des nouveaux encore ce soir et les anciens sont présents à l'appel. Merci à vous les gars. Merci aux tipeurs ayant tipé le mois dernier. C'est super. Un grand merci à vous. Ça aide grandement la chaîne. Si vous voulez faire un petit tour sur le Tipeee. Le Tipeee, c'est quoi? C'est un site qui permet de faire des dons pour des projets artistiques, pédagogiques, ce qu'on veut. Et donc, vous pouvez faire un don sur le Tipeee. Ça fait toujours plaisir. Ou vous pouvez laisser un pouce
sur ce live pour faire remonter la vidéo, le replay dans les statistiques de YouTube. Voilà pour le mode d'emploi. Ok, comment ça va le chat? N'oubliez pas, s'il y a des questions, mettez-les en majuscule que j'ai une chance de les voir. Sinon, je les vois, mais pendant le replay, donc ça ne sert plus à rien. Donc, allons-y maintenant. Je vous ai fabriqué un petit playback, tranquillou, pas rapide. Et sur le PDF, vous verrez que je ne vous ai pas noté les accords. Il y a 4 accords qui tournent en boucle sur ce playback, et ça serait cool de pouvoir les retrouver. Ça va faire partie du taf un petit peu, ça, ce soir. Pour ceux qui savent faire, hein, on réécoute le playback, on regarde la ligne de basse, et puis pour ceux qui peuvent, eh ben, on va essayer d'appliquer les arpèges sur chaque accord qui passe. Et est-ce que ce sera un arpège majeur, un arpège mineur à chaque fois? Et donc l'idée, ça serait d'arriver à retrouver et à noter les accords au-dessus de la première ligne du PDF, par exemple. Donc je vous montre le PDF, c'est celui-là. Et là, je vous ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes de basse. 6 lignes de basse différentes, avec à chaque fois une petite évolution. Est-ce que je vais le remettre ici? Voilà. Avec à chaque fois une petite évolution dans le choix des notes, dans l'ajout des notes, et puis dans le placement rythmique surtout. Ouais, c'est ça qui m'a intéressé, quoi. Donc, si dans le chat, les plus expérimentés peuvent donner la suite d'accords, il y a 2 accords par mesure. 2 accords par mesure. Et voilà, pour ceux qui voient à peu près la chose, et peut-être que pendant cette heure-là, on aura les fameux 4 accords. En attendant, on ne va pas tellement parler de ça, mais on va surtout parler du placement de cette ligne de basse. Donc, on essaye de faire évolutif. Donc, les premières lignes de basse sont réservées aux débutants, on va dire. Et puis, plus on avance et plus ça va se compliquer. Et alors là, profitez-en dans votre technique et dans votre sens du rythme. Profitez-en pour vous évaluer et pour voir à partir de quelle ligne vous vous sentez largué. À quel moment, là, vous ne comprenez plus le placement. Bon, je vous en ai quand même placé une dès le départ, un petit peu spécial, une petite note un petit peu chelou. Si vous regardez la première ligne, au départ, soyez gentil, une noire, un soupir, une noire, un soupir, une noire, un soupir, une noire. Et là, on se dit, ce type est un escroc. Mais non, vous allez voir que notre boulot de bassiste, quelquefois, ça consiste à jouer très très simple. Et alors, une petite précision aussi là-dessus, c'est que cette première ligne de basse, c'est la plus facile. Ça ne veut pas dire que c'est la moins bien. Rien à voir avec ça du tout, quoi. C'est pas parce qu'on va rajouter des notes et des subtilités que ça sera forcément plus mieux. On peut très bien se contenter de cette première ligne de basse pour faire tourner. C'est selon. Ok, on voit des gens d'expérience, effectivement. Il y en a qui ont regardé ce qui se passait à la clé, peut-être, avec les 2 bémols. ok, donc, voilà, impeccable, très bien. Alors, je vois que le chat, impossible de se connecter au chat. Tiens, est-ce qu'il y a un souci à ce niveau-là? On va voir. Dites-moi si vous êtes toujours avec moi ou pas. Je vois que le chat s'est mis en rade. Je ne sais pas si c'est la même chose de votre côté. Activer, désactiver, nanana. Bon, on va voir ce qui se passe. Ok, donc on commence avec cette première ligne. Alors ça me fait toujours un peu flipper ces histoires de chat parce que j'ai l'impression de parler tout seul. Donc je sais pas exactement ce qui se passe. Possible qu'il y ait un bug. Hein. Donc je vais continuer un petit peu. Si je vois que le nombre de visionnages chute, c'est qu'il y a vraiment un souci. Sinon, actualisez la page hein, pour ceux qui sont là, si vous avez un souci avec le chat, quoi. Alors, première ligne, noir, soupir, etc. Je vous la joue et puis on en parle après au niveau de la technique. C'est parti. Ah, faut que je vous remette ça. Thank you.
Alors, est-ce que je prends le risque d'actualiser ce chat et de pourrir le streaming ou bien aucune donnée? Tiens, intéressant. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je ne sais pas si vous êtes toujours là. Ouais, ça y est, je crois que c'est rétabli. Image floue. Ok, ça y est, moi je suis revenu de mon côté. Boum. Ouais, on a perdu du monde. Jester. On a perdu du monde, il y a eu un bug. Bah, ça vient pas de chez moi, hein. Je pense que c'est YouTube qui fait des siennes ce soir, quoi. Bon, bah ça arrive. C'est très très flou. Alors actualisez votre page. N'hésitez pas à actualiser YouTube, hein, pour que ça revienne tout ça là. A priori, c'est reparti le chat. Il y a eu un plantage général, hein, je crois. Hein. Ouais, Clou, vous êtes là, impeccable. Sol mineur, mais ce qui m'étonne, c'est la présence du Do, dit Philippe. Non, dans une suite d'accords, un Sol mineur suivi d'un Do, pas de souci, hein, c'est une cadence 1-4, une cadence plagale. Donc, non, non, il n'y a pas de problème. Il y a bien un Do dans le Sol mineur. Donc, au niveau des accords, on a un Sol mineur, un Si bémol sus 4 et un Do mineur et un Ré. Sur quatre accords, donc sol mineur, si bémol majeur, do mineur et ré mineur. Ok, est-ce que tout va bien sur la connexion? Ouais, ça marche tout ça. Oui, c'est bon. Ok, très bien. Oui, donc sol mineur relatif de si bémol majeur pour ceux à qui ça parle. Alors, ce soir, hein, donc le propos, ça serait plutôt de placer correctement les notes rythmiquement, et après on va voir un petit peu comment les interpréter. Donc on va se donner le choix entre plusieurs outils, parce que ça intéressait du monde, je crois. Jeu au doigt. Le placement de cette petite note, on va le voir. Jeu en étouffé. Et pourquoi pas slap. Avec la dernière note qui serait tirée, par exemple. Ok? Donc, on va essayer de discuter un petit peu de toutes ces techniques. Et puis, pourquoi pas se faire un petit medley sur le matos avec les pédales d'effet, où tout à l'heure, j'ai pris un petit solo. J'aurais pu mettre aussi l'octaveur. Ok, donc on pourra se regarder ça si on a le temps. Bon, alors ce qui nous occupe quand même, c'est. Ouais, vous avez vu, noir soupir, on est bon. Mais sur le dernier temps, il y a une double croche qui se pointe ici. Si vous voyez mon. Oh, je sais pas si vous voyez mon curseur. Ici, voilà. Et là, quart de soupir, double croche, demi-soupir, et tout ça, et tout ça. Et là, c'est l'horribilité qui revient, qui recommence une fois de plus, quoi. Donc, en fait, il faut placer cette double croche sur la deuxième. Donc, quand le quatrième temps arrive, poum, tchac, poum, tchac, bam, derrière la caisse claire. Donc, on réécoute le playback. Et si vous écoutez bien, à cet endroit-là, il y a une grosse caisse. Poum, tac, poum, tac. Donc vous pouvez utiliser votre oreille, évidemment. Tac, poum, tac, poum, tac, poum.
tac, et juste derrière la caisse claire. Poum, tac, poum, tac. Ah, pardon. Alors là, pour les débutants, ce qui serait cool, ce qui serait super cool, c'est que même si vous voyez que ce sont des noirs, les débutants, mais pas que, même, hein, tout le monde, hein, même si vous voyez que ce sont juste des noirs simples à jouer, noir, silence, essayez pour l'interprétation de vraiment jouer les noirs dans leur bonne longueur. C'est-à-dire qu'elles doivent durer jusqu'au silence qui arrive, quoi. Hein, d'essayer de ne pas couper les noirs. Et ça va faire le contraste avec la double croche à la fin, si vous arrivez à la placer, quoi. La double croche qui est très courte va faire contraste avec les noirs, et ça, c'est cool. Donc ça veut dire que aucune note n'est jouée sur la caisse claire de la batterie. Tchac, 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 tchac. Ok ? Bon, ça, c'est la première ligne. Vous pouvez la jouer au doigt, en étouffé, en slap, au médiateur pour les plus foufou, comme vous voulez, quoi. Ok ? Est-ce que ça va tout ça dans le chat? Ce scat, la carte remplace la tierce, si je ne me trompe pas. Exactement, Fabien, dans l'accord, la tierce n'est pas jouée, c'est la carte qui est jouée à sa place. Tout à fait. Oh, on a des bons éléments dans le chat, c'est bon ça. Ok, ça va tout le monde? Ouais, ok, ça discutaille. Donc ça, c'est la première ligne, donc le challenge, c'est de placer surtout la dernière note, cette deuxième double croche, et je voulais coller sur chaque ligne. Alors maintenant, si on regarde la deuxième ligne, hop, voilà, je monte un petit peu. Bon, bah là, on va commencer à charger un petit peu cette ligne, et à aller perturber un petit peu les soupirs qui sont là. Donc ça veut dire que sur le deuxième temps, par exemple, j'ai cassé le soupir en deux et je l'ai transformé ici, hein, en un demi-soupir et une croche. Ok ? Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Ah, j'ai le droit de faire ça ! Donc le soupir qui était là, tac, devient demi-soupir-croche. Le soupir qui durait un temps devient un demi-temps ici et un demi-temps ici. Ok, le soupir est coupé en deux parties égales. Et puis, je joue les mêmes notes après, les mêmes notes. Ici, pareil, le soupir devient hop, un demi-soupir et une croche. Ici, c'est pareil. Donc, si on imagine le gars qui est dans une séance de studio ou avec son groupe en train d'inventer une ligne de basse, eh bien, moi, ce que je peux vous proposer, c'est de faire ça. La première base, c'était la première ligne. Voilà, vous posez la base, c'est-à-dire vous posez à chaque fois les fondamentales des accords. Certains disent les toniques. Et ensuite, à partir de là, vous pouvez broder. Donc, vous pouvez commencer à faire évoluer votre ligne. Et donc là, le fait de casser le soupir, ça veut dire que je vais rajouter un élément plutôt rythmique. Et en même temps, si on regarde quand même les notes que j'ai choisies, vous voyez que juste avant le si bémol, j'ai collé ici un la. Alors, par rapport à l'harmonie, on va pas trop faire gaffe en fait. Le la, c'est la seconde du sol. Hop, je reviens comme ça. Le la, c'est la seconde du sol. Ok. Mais pour moi, ici, c'est surtout une note d'approche vers le si bémol. C'est-à-dire que le la, qui est joué comme ça, encore David, il est à un demi-ton en dessous du si bémol, de ma note cible.
Et c'est ça qui va m'intéresser, c'est de faire le lien entre le sol et le si bémol. Et de faire une transition, une espèce de lien qui soit le plus smooth possible, quoi, le plus doux possible. Et donc, j'approche mon si bémol avec une note, qu'on appelle donc une note d'approche. Un demi-ton en dessous du si bémol. Et ça, c'est une bonne recette pour enchaîner les accords entre eux, d'essayer de trouver comme ça des notes d'approche. Un demi-ton au-dessus ou en dessous. Il y en a qui vont mieux sonner que d'autres. J'aurais pu tenter par-dessus. Ça aurait pu fonctionner, quoi. Hein, okay. Donc cette petite recette-là, hyper important, même si voilà, vous n'êtes pas encore féru d'harmonie et tout ça, quoi, de théorie, cette petite recette de notes d'approche, c'est cool. Okay. Donc j'ai juste rajouté ça, et sur la deuxième mesure, Do, et là pareil, j'ai rajouté une note pour rapprocher le Ré. Alors vous voyez qu'ici, j'ai approché le Si bémol par-dessous, par un La, par-dessous, par le grave, et qu'ici, j'ai approché le Ré par-dessus, c'est-à-dire par l'aigu. Une note plus aiguë que le Ré. Et ça fonctionne. Ok. Bon, il faut dire qu'en plus, cette note appartient à Sol mineur. Donc, ça arrange nos affaires, d'autant plus. Mais voilà, la note d'approche, elle peut fonctionner que la note fasse partie de la gamme ou pas. Ok. Donc, il faut tenter, il faut essayer. Alors, si on joue ce petit groove maintenant, hop, je vous laisse observer un petit peu la technique, les doigts, tout ça, comment je fais ça. Hein, on va regarder, il y a plusieurs solutions. Et toujours la dernière note. Pardon. Qui veulent se mettre au slap. Du pouce. Et à la fin, un petit tiré sur le dernier Ré. Pour le fun. Au doigt. En étouffé. Pardon, je commence à faire le malin. Bon, ça donne trois sons différents, alors qu'on n'a même pas encore parlé des effets, des pédales d'effet. Faut-il mettre un compresseur, pas un compresseur, etc. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Hein. Aucune pédale d'effet particulière qui va donner un autre son et tout ça. Pour l'instant, avec la main droite, on peut avoir trois sons déjà. Donc, jeu au doigt, jeu en étouffé, slap, c'est pas mal quoi. Donc, si vous êtes dans un groupe comme ça avec des compos et que vous cherchez des lignes de basse, bah, si vous pouvez aussi chercher, faire une recherche sonore quoi, en utilisant différemment votre main droite. Donc, c'est ça l'intérêt de bosser le slap, le jeu en étouffé, le médiator. Hein, je ne l'ai pas fait, j'ai un petit médiator ici. Bon, bah voilà. C'est possible aussi, quoi. Donc, chacun trouve le son qu'il aime, quoi, là-dessus. Hein. Okay.
L'approche par les demi-tons se fait beaucoup en walking bass aussi, me trompais-je? Hervé, ouais, tout à fait. Alors, j'ai eu une suggestion sur le fait de bosser un petit peu la walking bass. Donc, c'est un sujet qui pourra venir dans les lives, quoi. Un petit sujet sur la walking. Alors, souvent, je fais bosser un gros standard aux élèves là-dessus, Autumn Leaves. Et je suis complètement planté. Et là, c'est gavé de notre approche, ouais. Mais ça peut se retrouver en soul, en rhythm and blues, en rock, dans tous les styles, hein, cette note de passage, quoi. Ok? Est-ce que tout va bien jusque-là? Tout le monde suit à peu près? Vous avez réussi à attraper cette dernière note là sur la deuxième double croche ou est-ce que c'est galère? Si vous avez du mal avec le solfège rythmique et tout ça, vous pouvez utiliser Guitar Pro pour faire lire la partition et entendre le placement de la note. Et n'hésitez pas, si vous ne lisez pas du tout, à utiliser simplement l'oreille et à vous chanter le plan, hein. Donc encore une fois, quand on regarde, on va prendre par exemple la troisième ligne. Je vais essayer de la faire remonter un petit peu. Si on prend la troisième ligne, ok, ça commence à se compliquer. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, la noire qui était ici, boum, c'est devenu deux croches. J'ai coupé la noire en deux. Et non pas la poire. Christophe, pardon. Et ça devient deux croches. Et donc mon sol, bah, je vais le jouer. Sol et son octave. Je garde mon petit plan sur le deuxième temps, demi-soupir, croche. Voilà, je joue à peu près la même chose que la ligne précédente. Voilà, j'ai juste rajouté, encore une fois, deux croches ici sur le ré et je garde la deuxième double à la fin. Donc, petite évolution de la ligne et puis ben, on fait péter ça. Free four. Interprétation un petit peu. Pas si vous avez remarqué, mais bon, ouais, ok, le plan est noté en partition, en tablature et tout ça, c'est bien cool. Bon, mais essayez de quand même de rester vigilant sur l'écoute de la ligne de basse en elle-même parce que quelquefois tout n'est pas indiqué sur une partition et même la plupart du temps sur les partitions de musique actuelle, tout n'est pas indiqué et notamment l'interprétation très souvent n'est pas indiquée. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai tendance, sur les croches en octave, j'ai tendance à les raccourcir. Et donc à interpréter la partition. C'est super important. Donc du coup, je vais essayer de vous faire une version où je ne vais pas interpréter la partition, je vais jouer telle que la partition est écrite. OK? Et juste après, je vais vous la jouer avec ma façon d'interpréter cette partition. Et je vous conseille vraiment d'essayer de faire ça, de rester en éveil là-dessus. La partition ne donne pas toutes les réponses, quoi. Il faut vraiment ouvrir les oreilles et essayer d'entendre la différence entre une non-interprétation en jouant la partition vraiment comme elle est écrite et après, bah, une façon de la faire groover, en fait. On va essayer de faire ça. Ah, ça repartit. Tac, ici. Pas d'interprétation. Pardon.
moment, j'essaie d'interpréter. Comme je vous le disais, j'ai raccourci à mort les octaves. Même la deuxième double croche, la dernière note, j'ai essayé de la piquer à mort. La double croche jouait plus courte que tout ce qui existe sur Terre. Presque une note morte. Et j'ai raccourci ces octaves et j'ai raccourci encore la dernière double croche. Donc ça, c'est pas forcément indiqué sur une partition. Alors là, je vais devancer les questions peut-être là-dessus. Pourquoi à ce moment-là, puisque la note est jouée courte, pourquoi est-ce qu'on écrit une croche à l'octave alors qu'on pourrait écrire une double croche et un quart de soupir et machin ? Parce que justement, ça complique la partition. Ça complique l'écriture et donc ça complique la lecture de la partition. Donc vous n'allez pas avoir ce type d'écriture, vous n'allez pas avoir ça, petit double croche, quart de soupir pour dire attention, cette octave, il faut la jouer courte et tout ça. Très souvent, vous n'allez pas avoir ça, vous allez avoir juste une bonne vieille croche et puis démerde-toi, quoi. Et c'est souvent ça sur les partitions de musique actuelle. Et donc... voilà, faut rester en éveil là-dessus et puis se dire, tiens, vraiment se laisser porter par la musique et se dire, tiens, qu'est-ce qui ferait groover le mieux, qu'est-ce qui grooverait le mieux pour mon interprétation sur ce morceau-là, quoi. Sur, il y a des morceaux qui vont réclamer de jouer des notes longues, des croches normales, dans leur bonne longueur, et d'autres morceaux qui vont réclamer de jouer court, tight. Il faut un petit peu d'expérience, je pense, là-dessus. Il faut se taper des lignes de basse, puis surtout écouter les bassistes que vous aimez, quoi. Est-ce qu'on a des questions ? Ça devrait s'écrire comment si les octaves raccourcies étaient sur la partoche ? Voilà, Alex. C'est ça, ça devrait s'écrire donc une double croche suivie d'un quart de soupir. Mais je suis même pas sûr que la façon de les jouer, ça soit une double croche. Je pense que c'est encore plus court qu'une double croche, donc ça serait une double croche piquée, tu vois. Une double croche piquée avec un quart de soupir derrière. Mais du coup, donc, comme je disais, ça complique vachement la lecture d'une partoche, quoi. Donc souvent, on simplifie la partition, mais on compte sur l'instrumentiste pour faire groover son truc. Quand vous mettez la partition dans Guitar Pro telle que je l'ai écrite, hein, Guitar Pro, il va groover comme une carotte avariée, quoi. Franchement, vous faites écouter ça, vous mettez ça en lecture dans Guitar Pro, c'est une horreur, hein. Guitar Pro ne groove pas si vous lui indiquez absolument pas tous les signes, quoi. Donc là, vous mettez en lecture, c'est juste une indication de placement rythmique des notes, mais le groove, l'interprétation en fait, hein, dans Guitar Pro, là, vous allez pleurer, quoi, forcément. Donc ce n'est qu'une intelligence artificielle, ce n'est qu'un programme. Guitar Pro, donc il groove pas tout seul, lui, il sait pas faire. Et donc je compte sur vous pour que vous sachiez le faire, par contre, de sentir quand il faut raccourcir les notes et tout ça. Ok ? Bon, est-ce que ça va ? Ouais. Ok, alors on continue. Ligne suivante. Est-ce qu'on a perdu du monde dans l'exécution de ces lignes ou est-ce que ça suit toujours ? On est sur la mesure 7. Je vais remonter un petit peu comme ça. Voilà, mesure 7. Qu'est-ce que j'ai mis ? Ouais, alors là, cette fois, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai anticipé le si bémol. Si vous remarquez, ici, le si bémol était bien calé sur le troisième temps, une bonne vieille noire sur la grosse caisse. Tandis que maintenant, le la que j'ai mis en croche, je l'ai viré et j'ai mis le si bémol. Oh là, j'ai mis le si bémol. Hey ! J'ai mis le si bémol direct. Direct sur la syncope, c'est-à-dire sur le et du deuxième temps. Donc ça veut dire que j'anticipe l'accord qui arrive. Donc ça arrive sur les lignes de basse d'anticiper un accord, de faire entendre sa fondamentale avant
que la corne tombe. Et c'est ce que j'ai fait également ici. Vous voyez que le Ré, il arrive sur le deuxième temps, alors que l'accord du guitariste ou du clavier arrive que sur le troisième temps. Donc la basse anticipe l'arrivée d'un accord. Donc ça, ça peut être cool pour contribuer à nous faire groover. Et on voit ce que ça donne tout de suite. Et alors là, pareil, on utilise les oreilles, hein, si le solfège rythmique vous pose problème. C'est parti. Ces phrases simples en slap sont une préparation pour jouer des choses un petit peu plus complexes en slap. Hop, anticipation. Alors là, contraste sur le temps. Anticipation, sur le temps, anticipation, sur le temps, anticipation, sur le temps, anticipation. Encore une histoire de contraste. Ok. Ouais. Encore une histoire de contraste, donc, d'un temps à l'autre. Sur le temps anticipé, sur le temps anticipé. En fait, on essaye d'étirer un petit peu la temporalité dans la mesure, n'est-ce pas ? Et voilà, de donner une impression comme ça de poser et puis d'anticiper, de reposer, d'anticiper. Et vous savez que les contrastes en musique, c'est hyper important. Donc voilà, c'était une autre manière de faire évoluer la ligne de basse. Est-ce qu'on a perdu du monde ou est-ce que tout va bien ? Non, ça va. J'ai pas trop de questions. Vous emmerdez un peu, non, ce soir ? Alors, ligne suivante. Je remonte un petit peu mon PDF. Bon, alors il est... Oh, il est 39. Et justement, on a un peu passé la demi-heure. Et du coup, là, on va arriver aux lignes qui piquent maintenant, un petit peu plus, quoi. Donc là, on va rajouter, à partir de la mesure 9, donc, on va rajouter de la densité rythmique. Donc on s'en fiche un peu, finalement, du choix des notes. Et vous allez voir que là, j'ai fait un choix de notes très, très basique. Tonique, quinte, octave. Donc ça veut dire que, encore une fois, si vous n'êtes pas des grands habitués de la connaissance des notes, des arpèges et des gammes, tout ça, vous pouvez quand même jouer ces lignes de basse de manière rythmique et de manière assez simple. On a juste tonique, quinte, octave sur ce coup-là. Et c'est intéressant, je trouve, de pouvoir essayer de proposer une ligne de basse qui groove avec finalement peu de choix de notes. Donc là, on a simplement la quinte qui se pointe. Et ça donne ça, hein, mesure 9 et 10. On fait groover un petit peu. Je vais essayer. 2, 3, 4. Bon, je garde l'anticipation des notes sur le si bémol et le ré. Et je garde ma deuxième double à la fin. Hein. Thank you.
Donc la ligne a évolué. Je au doigt. Donc, densité rythmique. Bénédicte, on est concentré. Bon, bah ça va, alors si vous êtes toujours là. Zoom sur ta main gauche, s'il te plaît. Ouais, on va regarder ça, Virginie. On va voir comment on peut jouer quinte octave comme ça, là. Peux-tu décomposer de nouveau? Ça, c'était quoi pour ce groove-là? Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors là, main droite comme vous voulez. Alors, j'ai vu passer dans le chat que ça vous fait penser à un morceau, ce truc-là. Ouais. Cuba, Buena Vista Social Club, tout ça, c'est ça? J'ai pas fait exprès, hein. Là, je me suis démerdé avec mes logiciels. Et j'ai pas du tout pensé à Cuba et à ce groupe-là, excellent par ailleurs. Mais ouais, vous avez raison, mais... Ouais, là, je l'ai plutôt... J'ai pas trop joué afro-cubain. Enfin, si, ça fait afro-cubain à la fin. C'est vrai, chez moi. Alors, pour jouer le quinte octave. Alors, moi, j'y vais comme ça. Petit doigt sur la quinte et le petit doigt qui s'écrase sur l'octave. Vous avez entendu, si je mets que le petit doigt comme ça. Voilà, il y a une résonance avec les autres cordes. Donc, hop. Je viens jouer donc le si bémol avec l'index. Par contre, quand je vais aller jouer quinte octave, clac, il y a mes doigts du milieu, il y a l'index qui est là. Et ils sont sans arrêt en contact avec les cordes. Donc si vous vous apercevez dans votre technique que vos doigts se décollent, et que vous faites ça, oh là, boum, attention, il y a une résonance ici. Donc ça veut dire que si vous voyez que vos doigts décollent comme ça, il va falloir que vous maîtrisiez les cordes qui ne sont pas jouées à la main droite. Donc ça veut dire le pouce sur la corde de mi par exemple et le jeu en butée avec l'index qui vient taper contre la corde de la une fois que vous avez joué la quinte et le majeur qui vient buter sur la corde de ré une fois que vous avez joué l'octave. Donc ça veut dire que vos résonances, vous avez l'intention de les maîtriser avec la main droite. Donc ça veut dire en gros que vous allez jouer les notes avec la main droite et maîtriser les résonances avec la main droite. C'est un choix, ça vous fait une main droite assez, assez complexe quand même à maîtriser. Il faut le faire, hein. Il faut le faire, le jeu en buté, le placement du pouce et tout ça. Moi j'aime bien contrôler ici quand même ce qui se passe. Alors vous allez me dire, bah oui, mais ça te fait jouer à la main gauche et maîtriser les résonances à la main gauche. Mais ouais, je pense qu'une fois qu'on a acquis suffisamment de souplesse au niveau de la main gauche, on peut se permettre de laisser les doigts posés comme ça sur les cordes. Hein. Et donc là, c'est le petit doigt qui vient faire une espèce de mini barré. Et voilà comment ça peut se passer, quoi. Ok ? Donc ça, c'était le groove X, je ne sais plus combien, on en est au quatrième, cinquième ? Quatrième seulement ? Non, on en a fait combien ? 1, 2, 3, 4... Cinquième. Ah bah je vous en ai mis 7 alors. Ok d'accord. 7 grooves. On passe à la mesure 11, si vous voulez bien. Clac. 11. Bon bah alors là ça devient de plus en plus foufou. Des doubles croches à tire-larigot. Ah ça j'aime bien ce truc là, je le fais souvent. Cette petite...
ce petit rythme ici, on va essayer de le décrire. Je vous le fais tourner un peu et puis on se le décrit si vous voulez bien. 2, 3, 4. Là, évidemment, vous pouvez remarquer même graphiquement quoi, hein, sur la partoche que c'est plus dense rythmiquement, puisque effectivement là on commence à trouver de la double croche, pas du tout, tac, ici on commence à trouver de la double croche ici et ici, c'est assez chargé en fait. Mais bon, après vient la question du grand débat. Faut-il charger les lignes de basse et tout ça? Je pense que ça dépend comment on le fait. Et encore une fois, il y a une question de contraste. Et on peut essayer de garder à l'esprit cette notion de contraste en musique. Oui, c'est chargé ici. Et c'est chargé ici. Mais regardez le reste de la partition. Une noire. Une noire. Une noire. Du silence. Du silence. Une croche. Une croche. Du silence ici. Et là, c'est pareil. Si je vous la joue à vide, et ben en fait, c'est chargé, mais que à certains moments. Et en fait, c'est contrasté par des notes longues, en fait, quoi. Des noirs, des croches et même des silences. Donc du coup, après, c'est une affaire de goût, quoi. Hein. C'est une affaire de goût, voilà. Vous allez aimer, pas aimer ce genre de ligne de basse et tout ça. Les débats sur les réseaux sociaux, c'est trop chargé, c'est pas assez chargé. On peut charger, mais non, c'est pas chargé parce que machin. Ouais, tant que le contraste est respecté, tant que ça respire, et là, je trouve que ça respire plutôt encore, eh ben, ouais, ça reste cool, je trouve, quoi. Donc voilà, après c'est un avis esthétique, artistique, et chacun a le sien, vous le savez bien. Et voilà, mais en tout cas, pour ce truc-là, bon, comment jouer cette affaire? Alors là, j'aime bien dans l'interprétation conserver cette façon de jouer. Rémi, pas faux de jouer avec pouce la fondamentale, index la quinte et majeur l'octave. Voilà, c'est ça hein, pour la main droite. Non, pour le jeu au doigt standard, index majeur. Et par contre, pour le jeu en étouffé, ouais, pouce, index majeur. Ah, j'ai fait ça. Petit doigt. Et donc là, on va se retrouver avec la même. Si je reprends un petit peu la partoche, donc. Tac. Pom, pom. Alors, si on regarde ça d'un peu plus près, pour ceux qui s'intéressent à cette technique, donc là, on est dans la deuxième partie du live, on est presque à la fin. Attention, là, ça pique un petit peu plus. On va peut-être perdre les débutants, j'en suis désolé, mais pour les niveaux un petit peu plus avancés, si vous voulez vous attaquer à cette technique de main droite, c'est maintenant. La tonique sur, avec le pouce pour la main droite. On va jouer l'octave avec l'index ici. On étouffe, hein, bien sûr, on étouffe avec la tranche de la paume,
juste devant le chevalet. Par là. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Et donc, index pour l'octave, pouce pour la note morte, et encore pouce pour le si bémol. Alors, j'aime bien le jeu en étouffé parce que quand on est sur des musiques assez cool comme ça, ça joue pas fort et tout, ça donne un côté acoustique. Acoustique. Ça donne un côté acoustique à la basse. Moitié électrique, moitié acoustique. C'est acoustique ? On a l'impression de jouer un instrument acoustique, mais pas trop. Donc, c'est acoustique, on va dire. Et donc, il faut attraper cette formule. Index, pouce. Et pour le dernier plan. Alors là, pareil que tout à l'heure pour Rémi. Hein. Le majeur vient prendre l'octave, l'index vient prendre la quinte et le pouce vient prendre la fondamentale. Vous voyez que je fais des efforts dans le vocabulaire. Et je reviens par le même chemin, je rejoue la quinte avec l'index et l'octave avec le majeur. Je rejoue pas la quinte, pardon, pour le retour. Octave, quinte, fonda, octave. Et j'essaye de bien étouffer toutes mes cordes avec la tranche de ma paume. Et vous pouvez le faire avec un jeu au doigt normal. Avec un petit racking pour le jeu au doigt. Qui ne connaît pas la technique du racking, hein ? Octave, quinte, fonda avec le même doigt. Et par contre, je projette le majeur à la fin pour l'octave. Bon, hein, on est sur des techniques un petit peu plus avancées. C'est la quinte que je prends en fait. Alors si c'est la quinte que je prends à la fin, c'est le majeur qui joue comme si je jouais l'octave. Raking, je vous le remets. Raking de l'index. Et à la fin, je reprojette le majeur sur la quinte. Ok ? Vous pouvez jouer la quinte ou l'octave en dernière note, ça passe quoi. Ok, pour cette mesure 11 et 12, est-ce que tout va bien dans le chat ? Oui, ça va. Vous êtes parti manger, non ? C'est bon ? Vous êtes toujours là ? 156, bravo et merci à tous d'être présents. Comme tous les dimanches, d'ailleurs. C'est bien cool, ça fait bien plaisir. J'espère que vous avez pu retirer quelques infos. On va faire le dernier groove, et puis après, on va faire une petite impro où on va sortir les effets un petit peu et voir ce qu'on peut en faire, quoi. Là, j'ai pas trop envie, vu l'ambiance du MP3, j'ai pas trop envie de mettre un effet quelconque pour ce qui est de groover. Par contre, on va pouvoir s'amuser à faire un petit solo avec une wah-wah automatique, avec... l'octaveur, pourquoi pas, on peut regarder ça. Faire des fils aussi. On n'a pas parlé des fils, on fera un sujet sur les fils aussi, quoi, hein, sur les petites phrases comme ça de fin de cycle pour agrémenter un petit peu les lignes de basse. Dans l'impro, j'essaierai de faire des fils aussi dans la partie groove du truc. Pourquoi pas pouce dead note index sur si bémol en début de mesure. Pourquoi pas pouce dead note et index sur si bémol en début de mesure, parce que oui, si, pourquoi pas, bien sûr, Paco,
ça peut se faire. Enfin, il y a des milliers de choses à faire. Hein. Là, ce sont que quelques propositions ce soir. Hein. Didier, moi aussi, je t'aime, Didier. On va se voir bientôt. Vite, j'ai hâte. Ouais, ça va. Ouais, les fils. Où sont les fils? Et merde. Bon, allez, on regarde la dernière ligne parce que après c'est apéritif. Alors, tac, mesure 13. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah là, j'ai compliqué rythmiquement en fait la chose. Et puis j'ai mis un petit fil mélodique à la fin, à partir du do. Alors, bah, on va voir comment ça sonne cette affaire d'abord. 2, 3, 4. La lire, chantez-vous la ligne. C'est l'émotion.
Ah, c'est la fin du live. On s'en fout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut se chanter les lignes de basse. Et il faut se chanter tout le temps, les plans et tout ça. Et c'est... Et ne pas trop se prendre la tête avec... Enfin non, j'allais dire une connerie. Il faut se chanter les plans et se les chanter le plus possible en rythme. Et puis, voilà, au bout d'un moment, poser le cerveau. Je n'allais pas dire une connerie, j'allais dire poser le cerveau, c'est-à-dire, vous avez vu, on passe du temps à analyser ce qui s'est passé sur les lignes de basse et tout, les lignes de basse évolutives, on y est allé palier par palier, tout ça. Solfège, etc., rythme, mise en place, interprétation, durée des notes, technique de jeu, slap, doigt, tutti quanti, comme disent les Italiens. mais au final, il faut essayer de se chanter les plans, en fait, et d'y croire, en fait. Pardon. Bon, et puis après, on peut se laisser aller à faire beaucoup de choses, quoi. Mais en tout cas, voilà, il faut... ouais, il faut se chanter, il faut chanter, quoi. Il faut chanter les plans et on les intègre beaucoup mieux qu'avec du solfège rythmique, de la lecture et tout ça, qui ne sont que des outils pour analyser les choses, comprendre les choses, quoi. Mais pour les vivre, je pense que il faut chanter et de garder ça à l'esprit. Pourquoi est-ce que quand on écoute de la musique, on retient la ligne mélodique du chanteur et pas la basse, pas la batterie, pas la guitare et tout ça? Il n'y a pas de raison. Donc il faut se chanter vraiment tout ce qu'on doit jouer. Ok? Est-ce qu'il y a des questions, des choses qui vous viennent? Non, ça va, tout ça, ça délire dans le chat. Comment s'appelle cet effet? Tout le monde arrose sur Claude qui n'a pas mis sa question en majuscule, mais je l'ai quand même vu. C'est l'enveloppe filter de MXR, ce petit effet là. Ouais, ça c'est l'enveloppe filter. Alors vous pouvez faire des choses avec la gamme mineure pentatonique de sol. Ou alors le mode aéolien pour les plus avancés. Mode aéolien. Vous pouvez jouer en si bémol majeur. Effet au niveau des attaques de main droite, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un effet que tout de suite les choses vont se passer et tout ça, surtout avec une enveloppe filter, même si c'est le wah-wah automatique, elle est quand même sensible à votre attaque de main droite, ce qui fait que suivant comment vous l'avez réglé, il faut l'amener à provoquer des choses. Par exemple, si je joue cette note, un sol, voilà, si je joue avec une certaine attaque, suivant ce que je fais avec mes mains, l'effet il est pas pareil, quoi. Donc il y a une question de dynamique, main gauche, main droite et tout ça pour utiliser les effets et tout ça. Les dents. Comment ça, les dents? J'ai pas suivi ce qui s'est passé avant.
Comment chanter quelque chose qu'on ne sait pas lire, demande Jean-Marie. Eh bien, écoute, Jean-Marie, il faut simplement écouter les mélodies. Et voilà, en fait, il n'y a pas de rapport. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme analogie? Je n'ai même pas besoin de trouver une analogie, hein, Jean-Marie. Quand tu écoutes une chanson à la radio et que tu rechantes les couplets et les refrains du chanteur, est-ce que tu as lu avant le truc? Non. Donc, une ligne de basse, c'est exactement pareil. Un rythme de batterie, c'est exactement pareil. Une ligne de piano, c'est exactement pareil. T'as pas besoin de la lire. T'as pas besoin de la lire avant, quoi. Hein, y a plein d'autodidactes qui savent pas lire et qui chantent tout, absolument tout. Et c'est juste une habitude à prendre, en fait, de se départir de la... Pas se départir, mais de mettre ça en complément, peut-être, à la lecture. Le fait de se chanter les choses qu'on entend, quoi. C'est quelque chose de très naturel, finalement, que font tous les enfants. Tous les enfants, tu leur mets de la musique, tu leur demandes de chanter, ils chantent, quoi. Hein. Et c'est rien de plus que ça, en fait. Donc, du coup, même quand on a une ligne de basse... Pas besoin de chanter juste. Je t'en prie, Virginie. Merci à toi d'être là. Ouais, hein, tu vois, Jean-Marie, donc il faut revenir à quelque chose de plus naturel au départ, qui est tout simplement le langage. Tu sais, tous les grands icos qu'on admire le disent tous, hein, la musique est un langage, mais c'est pas qu'un langage écrit, hein, c'est avant tout un langage oral, qui se transmet d'ailleurs oralement dans plein de cultures, donc je vois pas pourquoi on le ferait pas, quoi, tu vois. Et l'attaque de la main droite, dit Loïc, ouais, sans doute pour les effets, un truc comme ça. Ah, merci Michel, c'est gentil, mais bon, il y a d'autres modèles, je t'assure. Est-ce que tu as pu récupérer les documents, Michel, hein, onglet bassistique live? Merci à tous en tout cas, il est 20h09, il est l'heure. Merci encore d'avoir suivi ce live. Stéphane, pourrais-tu détailler ton jeu de main gauche sur la dernière mesure? La dernière mesure du groove? Eh bien écoute, on va faire un petit peu de rab. Oui, ici là... Alors il y a une note qui n'est pas marquée. Pareil, c'est une question d'interprétation, ça. Donc, le Do, le Mi, je te mets un gros plan. Do, avec l'index, Mi bémol avec le petit doigt, la quinte, Sol. Et au lieu d'aller chercher directement la neuvième ici, le Ré, je vais faire une petite appoggiatura. Donc une appoggiature, c'est parfois les petites notes, les toutes petites notes que vous voyez à côté des grosses sur une partition. Là, je ne l'ai pas mise parce que j'ai laissé mon place à l'interprétation. Et je vais jouer l'appoggiature index petit doigt. Donc en conclusion, le plan il se joue index petit doigt. Arriver que je mette une petite trille, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une trille, un mordant. Mais voilà, index, petit doigt, index, pour, je viens mordre index ici, petit barré, un mini barré, pour la podiature, et le petit doigt, et l'index. Et la dernière double index.
etc., etc. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura donné quelques infos. Eh bien, les élèves qui sont dans le chat, ceux qui peuvent, ceux qui veulent, ceux qui ont envie, n'hésitez pas à bosser ces plans et on peut les revoir ensemble quand on va se retrouver en cours. J'ai vu passer Loïc, on va se trouver un créneau, Loïc, cette semaine, on va se débrouiller, on va trouver ça. Pas d'inquiétage. Ah, merci Pingus, c'est gentil. Merci Gemo, merci Marc, merci Max, merci tout le monde en tout cas pour votre soutien et je vous dis à dimanche prochain pour un prochain live. N'hésitez pas à faire des suggestions en semaine hein, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube et tout ça. J'essaie de voir tout, de regarder tout ça, ça me donne des idées, etc. Donc, n'hésitez pas à faire des suggestions de sujets. Semaine prochaine, par contre, tiens, on en a perdu la moitié, tant pis. 90e live, vous savez que tous les 10 lives, c'est un live question-réponse. Donc, pas de sujet la semaine prochaine, mais question-réponse avec le chat. Donc, préparez vos questions, préparez vos majuscules. On va interagir au maximum la semaine prochaine. Donc, pas de sujet précis. Mais par contre, si vous avez des questions bassistiques, théorie, technique, groove, si jamais je peux répondre et aider un peu, eh ben ça sera cool, quoi. Voilà, donc 90e live, question-réponse, semaine prochaine. Voilà, le sujet est trouvé, c'est vous. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Et à dimanche pour ce live 90 et on est sur la route pour le 100e. Je ne sais pas ce qui va se passer pour le 100e, il va falloir qu'il se passe un truc. Ciao, merci à tous et puis on finit en bah, comme d'hab en impro total. Bonne soirée, à dimanche, bye bye. Thank you.